J'ai plein de boucles d'oreilles que j'adore et que je garde dans ce bol en bambou. Sauf qu'avec le temps, il n'y a pas que des boucles d'oreilles qui se sont mis dedans, mais aussi une pièce de monnaie, un plastique pour fermer un sac sous vide, un clou, un élastique, une pince à cheveux, un jeton random d'un jeu de société. Enfin bref, plein de bazar dans un si petit bol. En plus, je retrouve jamais les paires qui me plaisent. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment je les ai organisées avec des perles à repasser. Alors, j'avais déjà fait un premier test et j'ai pressé beaucoup trop fort, du coup il n'y avait plus de trous et c'est dommage parce que on veut y mettre des boucles d'oreilles. Bref, donc voilà comment procéder. Je récupère mes perles à repasser que j'avais triées avec beaucoup de patience, vous vous rappelez peut-être. Je dépose des rangées de perles en alternant les couleurs. Et là, il n'y a vraiment pas de pattern à suivre, c'est vraiment au feeling. Tant que c'est assez grand pour vous permettre de mettre toutes les boucles d'oreilles dessus, on est bon. À la fin, on se retrouve avec un rectangle. Moi, je presse 30 secondes à 150 degrés avec ma presse à chaud. Ou alors, vous prenez un fer à repasser et vous passez dessus en cercle. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment faire quand vous n'avez pas de presse à chaud, mais un fer à repasser. Voilà, une fois que c'est refroidi, on retourne et on presse à nouveau de l'autre côté. Alors moi, là, j'ai une petite perle qui s'est barrée. C'est pas grave, je la remets, je presse délicatement, ni vue, ni connue. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, je fais le tri dans mes boucles d'oreilles, celles que je veux garder, celles que je donne, et je les positionne sur cette planche à perles à repasser pour pouvoir m'y retrouver plus facilement par la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Peut-être que ça vous inspire pour vos rangements de boucles d'oreilles. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine !